Élodie Fontan, 30 ans, et Philippe Lachaud, 37 ans, se sont offerts quelques jours de répit loin du froid parisien. Les deux tourtereaux se sont en effet envolés pour le Mexique où ils viennent de passer de merveilleuses vacances, à en croire leur compte Instagram respectif. Philippe, réalisateur des Babysitting et du récent Alibi.com, s'est montré plus discret en ne publiant qu'une seule photo évoquant la fin de vacances en famille, avec une photo de groupe sur la plage devant l'inscription « Diel Club Mekankin 2017 ». On comprend que le réalisateur et comédien, qui venait de rentrer de Tokyo, où il a rencontré le véritable auteur de Nicky Larson, son prochain projet, était bien accompagné pour ses vacances au paradis et pas seulement de sa chérie. Cette dernière a en revanche multiplié les posts. Elle a notamment publié pas moins de 5 photos lors de leur séjour du côté de Tulum. Une magnifique petite cité mexicaine non loin de la célébrissime Cancun, où l'on peut trouver des plages paradisiaques, mais également les ruines mayas de Chichen Itza, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, les grottes de Sacactan et Grand Cenote, mais aussi une jungle luxuriante. Élodie Fontan s'est également essayée au trapèze, de nuit, à Cancun, montrant ses talents à ses quelques 297 000 abonnés. J'étais obligée de mettre un filtre noir et blanc, parce que j'ai une tenue lycra improbable, raconte-t-elle en légende de cette impressionnante séquence vidéo.